tout essayé avec ce soir Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Jean-François Derecq, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoine et Olivier Rançon. Commençons par le commencement. Hier, à tous les téléspectateurs, et jamais ils n'ont été aussi nombreux qu'hier soir, c'est notre record d'audience hier, Claude Sarraute, vous avez annoncé aux téléspectateurs de France 2 que vous alliez amener le personnage avec qui vous vous endormez tous les soirs, ouais. Votre doudou. Et là, il sort de mon lit, ah. Il va y retourner, voilà. Tu vois, il est, on voit qu'il est diffusé, tu vois. C'est pas alors, un lapin, ça, Claude. Comment c'est pas un lapin? Il a des grandes oreilles, une petite queue. Enfin, c'est pas... Mais c'est pas un lapin, non, un lapin, ça a pas quatre jambes comme ça, Claude. Comment ça a pas quatre jambes comme ça? Enfin, c'est un lapin. Tu l'aurais connu jeune. On l'aurait connu jeune. C'est un agneau. C'est pas un lapin, c'est un agneau. La grande révélation, Claude Sarraute vient de s'apercevoir. Elle croyait au départ que dans son lit, on lui avait posé un lapin. Eh bien, non. Tu peux pas l'embrasser sur les deux yeux, alors il n'a voilà, pas d'yeux. J'écarte un peu les poils. On m'a... Et voilà. On m'a toujours dit qu'avant de se coucher, elle prenait toujours un coup de l'agneau. C'est vrai en plus. Tous les soirs avant de me coucher et avant d'embrasser mon lapin, je me sers un tout petit peu de whisky sec. En plus. En plus. Avec modération, évidemment. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du plateau, car je crois qu'Olivier Rançon est mort. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, Olivier? Ben voilà, on m'a dit que j'avais été très méchant avec les filles. J'ai reçu un nombreux courrier et donc je me suis dit que cette fois-ci, pour essayer de me racheter, j'allais offrir des fleurs à ces dames. Ah voilà. Ben ah, ça c'est bien. Ben, je vais tremper mes fleurs dans le verre de whisky de Claude. Voilà. Pardon d'avoir été méchant. Ouais, c'est mignon. Voilà. Merci beaucoup, je suis ravie. Il m'en coûte, hein. C'est vrai? C'est pas habitué à être gentil et non, tu sais pas comment faire. Ça va pas dire. Et puis je me suis dit que des fleurs. Aux filles, ça fait tout de suite plus joli. Merci. Parce que finalement, regarde l'ambiance. Dès qu'on a fleuri les potiches, c'est toujours plus chouette. Et si tu permets, je vais le remercier d'avoir fleuri les potiches. Moi, je vais décorer le tromblon. Mais... Oh, regarde, regarde, il est pas mignon. Ah, il est formidable comme ça. Ah, voilà. Jean-François. Bon, allez, on va pas passer la soirée là-dessus. Hein. Oh, non, 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 ah ben, moi, je lui fais pas de mal. Ah oui. Oh là là, j'ai hyper lourd. Attention. Non, non, alors je rigole pas du tout, c'est dégueulasse. Tiens, je le cache, c'est fini, j'aurais jamais dû l'amener. Ah bah, il va sortir, il va sentir bon, là. Hein. Allez, il est temps de passer, je crois, à la photo du jour. C'est dans l'Humanité qu'on la trouve ce matin. C'est celle de Bernard Kouchner, ministre de la Poste, toujours au charbon. Il a tenu hier à démontrer qu'on pouvait, regardez bien la photo, on pouvait lire son courrier sans y mettre les mains. Comme ça, on évite le moindre risque en ce moment, vous le savez. Et l'enveloppe, me direz-vous. Croyez-moi, une enveloppe, eh bien, une enveloppe suspecte, ça se reconnaît, parce que tout le monde a peur en ce moment des enveloppes piégées. Eh bien, une enveloppe avec du charbon, croyez-moi, ça se reconnaît tout de suite. D'abord, elle est grosse. C'est écrit dessus, charbon. Il n'y a qu'à vérifier. Je ne me suis pas trompé, il y en a vraiment à l'intérieur. Pas besoin de 48 heures d'analyse pour savoir ça. Faites attention, vous, à votre courrier en ce moment, Isabelle. Non, pas du tout, vous rigolez ou quoi? Pas de psychose. Eh ben moi, j'en ai plus. Comment ça? Eh ben, depuis que le courrier est susceptible d'être dangereux, j'en ai plus. J'ai même plus de lettres, plus rien, plus de factures, plus rien. Ton facteur est mort, il devait ouvrir les lettres. Quel horreur! On plaisante avec ça, mais les vrais plaisantins sont ceux qui essaient de faire peur à tout le monde en ce moment en multipliant les fausses alertes. Vous me direz qu'on est en progrès par rapport au précédent conflit. Souvenez-vous, les gens allaient dévaliser les magasins pour stocker les produits de première nécessité. Eh bien, cette fois, la farine, le sucre en poudre et le lait en poudre, on nous l'envoie directement par courrier. C'est du temps de gagner, Claude, non? Ouais. Tu sais, moi, si tu me permets, je trouve qu'il a été épatant, Kouchner, hier. C'est vrai? Ah ouais.
Il a eu raison, il a parlé fort, bien, pas de langue de bois, il a dit que c'était que des cons qui faisaient ça. Il a dit, je cite même Bernard Kouchner, que les imbéciles qui s'amusaient à lancer des fausses alertes seraient sévèrement punis. Sauf qu'évidemment, ils mettent rarement leurs adresses au dos de l'enveloppe, ces imbéciles-là. On en a tout de même retrouvé deux. Leur photo est dans Libération ce matin et on les voit préparer un courrier piégé destiné à Jacques Chirac. Vous avez reconnu, il s'agit de Lionel Jospin qui chaque soir, à l'heure de la prière, se tourne vers Schramm. Jean-François, est-ce qu'on peut revoir la photo de Kouchner? Oui, avec la carte de France des courriers piégés. Voilà, parce que je me demande s'il n'a pas reçu une enveloppe, parce qu'il a quand même vraiment mauvaise mine. Il n'y a en tout cas aucune psychose en France, a répété Bernard Kouchner. Et comme je disais encore à Gérard Miller hier, les psychoses et la caravane passent. Regardez d'ailleurs le dessin de Willem dans Libération aujourd'hui. Tant que votre facteur n'a pas cette nouvelle tenue, vous pouvez être rassuré. Jean-Luc? Non, mais ce que j'aime bien, c'est maintenant sur les lettres, il va y avoir derrière... Vite facteur, le terrorisme n'attend pas. Dans France Soir ce matin, une autre photo, celle de l'ex-roi d'Afghanistan, Zahir Shah, que les États-Unis, vous le savez peut-être, veulent absolument remettre au pouvoir. Et regardez, en fait, on essaie de leur refiler Eddie Barclay. Bon, alors d'abord, c'est très bien pour Eddie Barclay. Il sera très heureux en Afghanistan. Il pourra avoir autant de femmes qu'il voudra là-bas. Il pourra jumeler Kaboul avec Saint-Tropez. Et ce sera la fête tous les jours avec Eddie Barclay en Afghanistan. D'autant que sur place, il y a déjà la bande Abbasil, bien connue pour leur tube international. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Vous connaissez cette chanson? Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien si tu veux. La bande à Bacille, par correspondance, mais hélas aussi, il se déplace pour vos booms. En fait, le plus emmerdant dans les booms en ce moment, autant le dire, c'est qu'on ne peut plus s'embrasser sur la bouche comme avant, comme le montre cette photo. Ouais, mais si, c'est Jean-Luc bien. C'est bien, en fait, c'est sa copine, et lui, il a très mauvaise haleine. Claude, vous n'avez pas peur, rassurez-moi. Mais non, mais ça me rappelle de tellement mauvais souvenirs, ces masques à gaz, j'aime pas les regarder. C'est vrai? Mais oui, j'en portais un pendant toute occupation. Derek? Non, pendant l'occupation, non, je... Non, t'as raison, c'était pas un drôle de guerre. Vous, ce qui est bien avec un masque à gaz comme ça, oui, c'est que vous remplissez tout le truc. Bien sûr. Oh, patron, vous avez l'aide bien bonne. Isabelle, vous vous méfiez pas de votre courrier? Mais on n'a pas tellement le choix. De toute façon, on est bien obligé de faire confiance. Vous n'allez pas commencer véritablement. Comment ouvrir une lettre dont on se méfie en mettant un masque pour ouvrir la lettre? Eh oui, c'est vrai, il n'y a pas de solution. Ben non. C'est ce qu'on appelle le tri qui tue. Allez, on s'arrête là, on passe au sujet suivant. Allez, l'actualité internationale a un peu occulté cette campagne de sensibilisation, mais sachez que du 1er au 7 octobre dernier, c'était la semaine mondiale de l'allaitement maternel. En France, seulement 50% des mères allaitent leur bébé à la naissance. Je ne sais pas si vous connaissiez ce chiffre, Claude. Oui, je l'ai lu dans un dossier. Et Jean-François, est-ce que vous savez combien il y a entre deux tétés? 100. Voilà, 20 centimètres. Une autre question, peut-on allaiter facilement en public? Vous qui avez été maman il n'y a pas longtemps, Maureen. Oui. C'est facile d'allaiter en public? Moi, je crois avoir allaité à peu près partout où j'ai été. Eh bien, peut-on allaiter facilement en public? C'est un test effectué pour nous par Dan Bollander et réalisé par Julien Héron. Bonjour, ici Dan Bollander. J'ai testé allaiter mon enfant dans les lieux publics. Enfin, c'est pas moi qui vais allaiter, c'est ma femme. Mais tout le monde voit ta poitrine. Mais non, mais elle monte ses seins, tout le monde, c'est comme ça. C'est agréable de voir ça, c'est beau. Mais c'est beau pour moi, mais pas pour les autres. Pourquoi? Elle montre ses seins à tout le monde. Mais elle montre quoi? Elle montre un bébé qui est en train de boire du lait? Mais remis bien ton chemisier. Oh, mais alors vous êtes compliqué. Puis écoutez, laissez-moi un peu tranquille. Vous voulez pas lui dire qu'elle arrête? Non. Elle ne m'écoute pas. Non, écoutez, vous vous fatiguez. Elle n'est pas toute nue, votre femme. Elle n'est pas à poil. Non, mais elle... Oh. Écoutez, vous me fatiguez. Hein. Dégagez un peu, parce que... Vous ne pouvez pas dire à ma femme qu'elle arrête de montrer ses seins comme ça
Écoutez, moi, je peux pas me mêler de votre vie privée. On va tourner la tête comme ça, on la verra pas. Hein. Voilà. Comme ça, vous ne serez pas... Hein? Vous voulez pas vous retourner aussi? Faites semblant qu'on est à Saint-Tropez. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Vous voulez pas lui dire qu'elle se rhabille parce qu'elle monte ses seins? Non, c'est la nature, ça. C'est la nature. Bien sûr que c'est la nature. C'est ça. Il a faim, le bébé. Mais arrêtez de regarder les seins de ma femme, quand même. Comment vous faites? Alors, faut qu'elle reste enfermée chez elle à l'été? Ben, tout à fait. Ben non, la pauvre, regarde, c'est comme en Afghanistan. Regarde Elodie. Oh, elle est bien. Elle est très adorable. Bon. Voilà, regarde, tout le monde a vu les. Voilà, tout le monde a vu tes seins. Voilà, t'es contente maintenant? C'est pas possible. Hein. Voilà. C'est vous qui n'allez pas bien, monsieur. Les gens admirent les seins de ma femme, oui. Ben aussi, pourquoi pas? Après tout, si elle a des beaux seins, pourquoi pas? Ben oui, mais bon, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Ben, vous trompe pas pour autant. Ben, allez savoir. Il est très atteint, ce monsieur. Mais pas elle allait un bébé de 4 mois, ça s'allait à la demande, c'était l'heure de donner le sein. Oh là, ça me révolte. Ah dis donc les mecs là, hein. Si c'est ça la nouvelle génération de pères. Tous les gars du village étaient là 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 là. Tout le monde regarde ses seins. Mais mon mari fait toujours des scandales, donc... Dans un café, quand même... Bah, il y en a bien qu'en profite, pourquoi tu n'en profiterais pas? Excusez-moi, parce que... Comment? Ma femme monte ses seins à tout le monde. Il y a plein de gens ici, regarde, tous les mecs te regardent. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Vous avez vu qu'elle avait monté ses seins? Non. Vous l'avez pas vu? Non. C'est pas grave, tout ça. Mais non, si, c'est grave. J'ai des beaux seins. Elle a la chance d'avoir des beaux seins. Ben oui, justement. Mais c'est pour moi. Bien sûr. Il n'y a que moi qui ai le droit de regarder. Si on regarde, c'est de la parvise. Oui. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Non, mais tout le monde regarde les seins de ma femme. Regarde, à la limite, c'est même pas les seins de votre femme qu'on regarde, c'est l'enfant qui tète, c'est tout. Mais c'est naturel, il faut se décoincer là sur ce coup-là. J'ai dit que c'était beau, puis maintenant vous m'emmerdez pour savoir si elle lui montre ses seins. Eh ben, j'en suis pas choqué. Non, mais qu'elle fasse ça à la maison. Merde. Je veux bien, mais pas sur un, c'est pas sur un banc de bus. Emmerdez, vous êtes con. Et voilà. Finalement, hein, tout le monde trouve ça formidablement naturel. Alors, le bébé était un vrai bébé, je tiens à le dire quand même. On va remercier Emmanuel pour avoir prêté, c'est quelqu'un qui travaille sur l'émission, qui a prêté son bébé. qui a prêté son bébé, c'est vrai. Oui. Il a bouffé toute la journée, à mon avis. Là, il ne bouffe plus pendant une semaine, le bébé. Là. Claude? Ben moi, c'est vraiment une énorme frustration. Parce que moi, quand j'ai eu mes bébés, le féminisme commençait à se répandre. Attends, j'étais une ardente. Tu permets que je finisse. Je permets. Il n'était pas question pour une jeune femme qui travaillait d'allaiter son bébé. On n'y pensait même pas. C'était un esclavage. Puis, je n'ose pas le dire, mais c'était vrai. On pensait que ça allait nous abîmer les seins. Et on n'allaitait pas. Bon, Isabelle, vous vouliez répondre? Oui, je voulais dire que c'est pas sous la pression des féministes qu'on a arrêté d'allaiter les enfants au lait maternel dans les années 50-60. C'est plutôt sur la pression des fabricants de lait maternisé. Faut pas tout mélanger. Moi, je pense qu'il faut avoir une intime conviction de vouloir allaiter parce que c'est dur, c'est quand même assez fatigant. Une femme qui a les seins siliconés, son bébé, s'il a la tête, est-ce qu'il risque d'avoir les lèvres au collagène? Non. Pour répondre à ce genre de questions stupides, mais surtout à des questions intelligentes, je vous demande d'accueillir sur le plateau une mère conseil en allaitement, Madame Elisabeth Sobra. Bonjour et bienvenue. Alors, vous en avez allaité des enfants. Oui. Vous avez 4 enfants. Oui. Un de 11 ans, un de 6 ans et des jumelles de 15 mois. Tout à fait. On peut allaiter des jumelles aussi? Oui. Ouais. Même des triplés, des canastrés. Même des triplés? Oui, oui. C'est la fameuse phrase de Woody Allen qui disait « Si j'avais eu le malheur d'avoir été un des triplés de Sophia Loren, je serais celui qu'elle n'allaite pas. » Non, mais ce qui est génial quand tu as des jumeaux, c'est que plus besoin de soutien-gorge. On fait téter de chaque côté, on attachait les pieds dans le dos. Non, mais c'est possible d'allaiter des jumeaux, c'est pas crevant, ça? Non, c'est bien moins fatigant que de préparer les biberons et tout le reste. Est-ce qu'on choisit un sein quand on allaite un seul bébé? Déjà, commençons dans l'ordre. Non, 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 on donne les deux seins. On donne les deux seins. Oui. En alternance, comment ça se passe? Oui, en alternance. Les deux en même temps, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est toujours le même sein pendant tout l'allaitement ou est-ce qu'on peut changer? Mais t'es fou, quoi. Alors, après, elle a un énorme sein. Mais tu peux pas. Vous êtes animatrice à la Lecce. Comment on dit? Lecce League. Lecce League. D'où ça vient ce nom-là, Lecce League? Ben, Lecce, c'est le lait en espagnol. Et la ligue du lait, quoi. C'est la lèche, je me disais, je ne comprenais pas. Et donc, vous prenez évidemment l'allaitement pour, oui, pour les mamans. Oui, oui. En fait, on est là, on les aide, on les soutient dans leur choix. Je crois que tu en as allaité un, et tu as peut-être l'intention pour tes jumelles de le faire aussi, pendant 2 ans.
Oui, un peu plus de 2 ans, oui. Ça s'est recommandé d'allaiter un bébé pendant 2 ans? Ah ben, si on suit les recommandations de l'OMS, c'est 6 mois uniquement. Et jusqu'à 2 ans avec l'alimentation. Vous avez vu le dessin de Rançon? C'est honteux. La vérité, ma chérie, tu cuisines aussi bien que ma mère. Ah, vraiment? Vous n'avez pas honte, Olivier? C'est vrai que le fantasme du papa, c'est lui aussi de goûter le lait de la maman, non? Ça dépend des pères. Ça dépend des pères. C'est ton fantasme? Oui. Non. Non. L'émission, elle s'appelle comment? On a tout essayé. Oui, oui. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Je m'inquiète, mesdames et messieurs. Quelque chose de très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du lait maternel. À qui? À moi. Non. Non, pas à toi. Il a été surgelé. Non, si ça se trouve, c'est de la poudre. Ça me rappelle bien quelque chose. Non, franchement, moi, je veux bien... Je veux bien manger des insectes, mais ça, non, ça, y a des limites. Hein. C'est incroyablement intime. Oh là. Non, mais moi, j'ai peur d'être aussi con que vous, après. Maureen, non, c'est un super cadeau que vous nous faites, mais je suis un peu gênée, je dois dire. Ah, t'as vraiment l'impression que c'est comme si je te donnais... Que je vous violais, quelque part. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai? Vraiment? Ah bah, oui. Je suis incapable, je crois que je suis pas capable, moi. Je veux pas te faire de peine, mais c'est dégueulasse. Oui, c'est... Attends, il faut savoir une chose, c'est que pour les prématurés ont besoin de lait, la maman n'en a peut-être pas toujours, etc. Et c'est très important. Et donc, il existe ce qu'on appelle des lactariums, et des femmes qui, elles, produisent trop de lait, eh bien, peuvent tirer leur lait et fournir du lait à des prématurés. Je dis, c'est très important pour les prématurés, les femmes qui ont trop de lait, s'il vous plaît, donnez-le. Je peux vous poser une question, est-ce que vous avez allaité votre enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, mais, oui. Mais à 2 ans, ça se passe comment? Il vient directement boire au goulot, ça se passe? Oui, tout à fait. Parce qu'à 2 ans, il marche, il parle. Et oui. Surtout, il a des dents. Oui, mais les dents, il ne tète pas avec les dents, il tète avec son palais et sa langue. Et ça, c'est recommandé ou les médecins sont un peu suspects là-dessus? C'est l'OMS qui le recommande. C'est l'OMS qui le recommande. C'est l'OMS qui le recommande beaucoup dans les pays sous-développés où il n'y a pas éventuellement d'autres sources de protéines et donc autant utiliser celle-là. Jusqu'à quel âge on peut? Vous êtes arrêté à 2 ans, mais on peut arrêter à quel âge d'allaiter? 18 ans. Ma mère m'a allaité jusqu'à 15 ans. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge? Non. Mais il y a un moment quand même où la maman ne peut plus allaiter. Non, tant qu'il tète, il y a du lait. Mais attention, parce qu'allaiter, ça fatigue, mais quand on est fatigué, on allait. Qu'est-ce que vous faites, Johnny? Non, non, mais c'est pas ça, mais je voudrais faire du fromage de Maureen, donc... Je voudrais quand même qu'on continue notre test. Là, qui l'a goûté, alors, le lait de Maureen? Moi, je l'ai goûté. Moi, je l'ai goûté. Alors? C'est pas très bon. Non, c'est comme de l'eau sucrée. Pourquoi vous l'avez congelé, votre lait? Dans quel but? Alors, vous saviez qu'on allait faire cette émission? Non, en fait, c'est parce que je l'avais oublié dans le congélateur. C'est parce que j'ai travaillé, justement, pendant 3 jours. Je ne pouvais pas allaiter mon fils. Et j'ai donc tiré mon lait. Alors, le seul truc, c'est que... Mais comment tu fais pour tirer tout ça? T'as une trieuse, comme l'élevage, tout ça? C'est vrai. C'est terrible. Ouais, c'est là où la Lecce League m'a été d'une très, très grande utilité. J'ai donc appelé quelqu'un de la Lecce League qui m'a expliqué, et c'est grâce à ça que j'ai pas abandonné. Il faut conclure, je vais, parce que quand même vous ne l'avez pas amené pour rien, tester moi aussi le lait de Maureen. Good luck. Oula. C'est bon. Vous êtes un grand bébé. Eh bien... Et Laurent? Résultat du test, la prochaine fois je vais directement à la source. Je vous remercie. Elisabeth Sobra, je voudrais signaler d'abord qu'il y a des magazines, c'est quoi? C'est un mensuel? C'est un... Trimestriel. Un trimestriel, allaité aujourd'hui, et que la Lecce League a un numéro de téléphone, une permanence. Oui, tout à fait. Où on peut appeler, téléphone. Le numéro va s'afficher là maintenant sur l'écran. On vous remercie encore. Madame Sobra. Merci, au revoir. 29 millions, oui. 29 millions de Français ont un point commun avec moi. Savez-vous lequel, Olivier, Maureen? Ils ont bu le lait de Maureen. Ben, c'est des hommes? Non. C'est des hommes, mais ils portent des lunettes. Oui, 29 millions de Français portent des lunettes de vue et même les renouvellent en moyenne tous les 4 ans. C'est vous dire si le CILMO, c'est le Salon International de l'Optique Lunetterie, si le CILMO qui ouvre vendredi Porte de Versailles a son importance. C'est jusqu'au 22 octobre, il y a 75 000 mètres carrés d'exposition de lunettes et d'innovations en tout genre dans le domaine de l'optique. Pour tester avec nous les dernières tendances, accueillons quelqu'un qui travaille dans cette branche, c'est le cas de le dire. Elle est lunetière, Annette Hoffmann. Bienvenue.
Alors, on va quand même le dire, on ne va pas faire de secret. Je ne le savais pas, c'est un hasard, mais il se trouve que c'est mon opticienne. On dit opticienne ou lunetière alors ? Opticienne, et quand on fabrique des lunettes, lunetière. Et c'est un total hasard, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi Annette Hoffmann comme invitée. Alors c'est elle qui... Pas celle-là d'ailleurs, vous n'étiez pas là quand je suis venu. J'avais le dos tourné. Vous aviez le dos tourné, j'en ai profité. Et j'ai choisi une autre monture, c'est le cas de le dire. Alors... Excusez-moi. Alors vous êtes vraiment la spécialiste de la lunette. Il paraît. Vous dites les lunettes, on les choisit quand elles se voient vraiment pour des gens qui ont un visage pas très gracieux. Quand on est joli, on n'a pas besoin de lunettes qui se voient. Je vous remercie. C'est bien sûr plus facile de lunetter des gens qui ont des choses à cacher ou des choses à montrer, à l'inverse, que des gens qui sont des mannequins, des gens superbes. À ce moment-là, ça en fait trop. Est-ce que vous pouvez me commenter les lunettes d'Olivier Ranson ? No comment. Bah, je vous remercie parce que j'ai découvert il y a peu que Serge Julie portait les mêmes. C'est très politiquement correct. J'appelle Serge Julie, je suis Olivier Ranson du Parisien. Oui. C'est politiquement correct. Oui, c'est-à-dire qu'on le voit bien derrière ses lunettes, mais elles sont un petit peu trop basses. Elles demanderaient à être plus personnalisées. Alors, vous nous en avez amené des lunettes. Au Silmo, on peut en voir en tout genre, j'imagine. Voilà, au Silmo, vous aurez les dernières innovations qui seront plus colorées, plus fun. Vous avez déjà une nouveauté du Silmo sur le nez. Ça ? Oui. C'est vrai. Elles sont belges, mes lunettes. Exactement. Elles viennent de Belgique. Ouais. Elles sont formidables. C'est vrai ? Moi qui suis myope comme une taupe et qui ai des lunettes, je trouve que les tiennes sont... Je les ai choisies parce que c'était une rentrée télé importante sur France 2 et que je trouvais que ça ressemblait à deux petits écrans de télévision. D'ailleurs, je l'avais en disant, c'est la lunette télé. C'est vrai ? Oui. Ah ben vous voyez, sans le savoir, c'est comme pour ça que je les ai prises. On peut les regarder, ces lunettes qu'Annette Hoffmann nous a amenées. Allons-y, voyons voir. Oh là là ! Jackie Kennedy. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est celle-ci. Elle est très décalée sur elle parce que c'est une très grande lunette sur un petit visage. Non, mais elles sont bien celles-là parce qu'elles te cachent beaucoup. Voilà, celles-là sont mieux encore. Celles-là sont mieux, regarde. Est-ce qu'on peut regarder Claude Sarraute ? Elles cachent tout. Bravo, ma fille. Ah, ça, c'est formidable. Alors, ça, c'est une lunette qui est déjà toute maquillée. Les cils sont faits. Écoute, c'est formidable. Tu fais très américaine comme ça. Non, mais attends, ça cache tout. Ça, oui, je suis d'accord. Les lunettes de soleil énormes en forme de masque, je suis d'accord. C'est une nouvelle voie. Ce sont des cils qui sont posés dessus. Ça ressemble... Si on les met haut, c'est les cils du dessus. Si on les met bas, c'est les cils du dessous. On aurait une chatte, Claude. Ouais, c'est bien, non ? Oh non, franchement, Derek. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? J'ai le droit aussi d'être concepteur de lunettes. Je suis même concepteur, je crée même un concept facial, vous voyez. Ah oui ? Lunettes, appendice nasal et non, moustache. Non, enlevez-moi ça, vous êtes ridicule, Jean-François. C'est ridicule ? Bon, excusez-moi. Alors, bon, allez-y, continuez. Mais c'est drôle. Est-ce qu'on peut commenter les lunettes que Jean-Luc Lemoine a trouvées dans son sac ? Oui, c'est aussi un masque pour homme avec des branches en cuir. Masque pour homme, vous appelez ça ? Un masque pour homme. En fait, c'est une troisième voie qui s'ouvre de plus en plus. C'est ni de la lunette de soleil, ni de la lunette optique pure, mais c'est de la lunette décoration. Et ça, c'est quoi ? C'est lunette de femme afghane ? Alors, cette lunette, en tout cas, ça permet de savoir ce que les femmes afghanes voient à travers, parce que c'est assez terrible. Non, mais ça triche, parce que moi, je vois tout autour. Hein, alors que c'est terrible. Cette partie devant la lunette, c'est pour protéger les verres. En fait, l'étui est intégré à la lunette. Pour protéger les verres ? Ouais, il faut que tu enlèves l'étui. Il y a un étui, en fait. Ça s'enlève devant. On tire fort. Tirez fort. Vraiment, sans hésiter ? Ah oui. Voilà, génial. Super. C'est trop petit. Alors, tu devrais essayer les miennes. Non, mais remarque, j'ai pas besoin. Regarde. Ah ouais. Ça, ça a été la mode cet été. On a vu beaucoup de jeunes. Énormément de masques. C'est un peu l'ONS-que. Voilà, énormément de masques. C'est un peu une troisième voie. C'est l'ONS. Alors, c'est vrai que ça fait un peu tendance. Mais en réalité, ça sert à quelque chose. Oh, Maureen, c'est ridicule, ça. Non ? Alors, c'est un peu le choix de Maureen, mais elle n'avait pas tort, parce que c'est une lunette qui est amusante, qui est très gaie. Elle est faite de au moins 10 couleurs. Ah oui ? Les branches ont des couleurs différentes. Olivier Ranson, vous avez quoi comme lunettes ? C'est les siennes. J'ai les miennes, d'abord. Oui. J'ai des lunettes d'une grande marque, d'un type qui fait des chaises. Alors, donc, je chausse ces lunettes. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Chérie, merci. Parce que ça va jusqu'à tes sourcils. Ah, tu fais encore plus méchant. Regardez. Alors, l'intérêt de cette lunette, c'est qu'il a fait une branche en clavicule. C'est une rotule qui peut tourner, qui fait que la lunette est très confortable. Il n'y a pas de pression. Non, pas franchement incassable, mais franchement confortable. Et moi, ça ne fait pas secrétaire un peu... Cette lunette demanderait que la caméra s'approche parce qu'elle est faite de deux plans. En réalité, la lunette est galbée sur le visage. Et il y a une face devant...
qui est fixée sur la lunette galbée. Elle est faite un petit peu en, en deux plans. Voilà. Très jolie. Une qu'on peut voir sur Rançon, peut-être. Oui. Alors, j'ai devant vous, si Jean-Paul Sartre était encore parmi nous, il porterait ces lunettes-là qui lui permettent de couvrir tout le regard. Ah oui, jolie. Vous avez vu le dessin d'Olivier Rançon, c'est le modèle le plus demandé en ce moment, mais ce n'est pas forcément celui qui vous va le mieux. C'est terrible. Pour Derek la... Regardez, moi, j'ai un super, super lunette, ça fait chapeau aussi. C'est cher tout ça? Ah ouais. Ça varie entre certaines 150 francs et d'autres. Les plus chères, la 2000 francs. Derek, encore une fois. Derek a une lunette que j'ai dessinée, qui est une. Car vous dessinez des lunettes. Voilà. Mais surtout, moi, l'intérêt de cette lunette, c'est qu'en réalité, quand on fait les examens de vue, systématiquement, la blague, c'est je voudrais acheter la lunette de l'examen de vue. Ah ouais. Alors, oui, en fin de compte, j'ai fini par la faire. C'est 2000 lunettes, mais alors il faut, comme moi, dessiner l'autre moitié au-dessus. Voilà. Ben, c'est pas mal tout ça. En Turquie, ils portent des lentilles, hein? En Turquie, oui, vas-y. Parce qu'il n'y a pas de lunettes. Elle est très bien, celle-là. On va vous remercier, Annette Hoffmann. Ce week-end, donc c'est ce week-end. Hein. C'est ce week-end, ça commence vendredi. C'est réservé strictement aux professionnels. Ah, bah zut alors. Mais après, vous irez chez le meilleur opticien et vous irez acheter les lunettes qui sont présentées au salon. On vous remercie, Annette Hoffmann. Rendez-vous chez votre opticien. Au revoir. Pour la première fois en France, l'éducation nationale a lancé, vous le savez, une campagne pour inciter les élèves à faire preuve de respect entre eux et envers leurs professeurs. Jack Lang a demandé à des acteurs, des chanteurs de participer à ces spots que vous voyez en ce moment et que vous verrez jusqu'au 4 novembre. Spot qui s'appelle « Le respect, ça change l'école ». Entre autres, on y voit Lam, Frédéric Diffenthal, Mousse Diouf et aussi Brahim Asloum. Je vous demande d'accueillir un de ceux qui a été choisi par Jack Lang, Monsieur Mousse Diouf. Le respect, ça change l'école. Mousse, avant de parler de cette campagne du ministère de l'Éducation nationale, on va regarder le vôtre de spot. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est parti. J'ai deux enfants qui vont à l'école comme tous les autres enfants. Et de temps en temps, quand ils rentrent de l'école, ils me racontent leur journée. Oui, papa, il y a un tel qui a frappé un tel, et puis l'autre, il a insulté un tel. Moi, il y a deux valeurs fondamentales que j'ai apprises à mes enfants. La première, c'est... C'est quoi déjà? Ah oui, la tolérance. Et l'autre, le respect. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Le respect, ça change l'école? Alors, d'abord, Mousse, est-ce que vous avez une idée pourquoi on vous a choisi, vous, parmi quelques-uns, pour vanter le respect à l'école? Je ne sais pas, il y a eu un... Je ne me rappelle pas avoir vu autant de violence, autant de... Aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, c'est bizarre. Et puis c'est pour ça que ça me touche tout particulièrement. Donc vous avez dit oui tout de suite quand, ouais, sans hésiter. Ouais. Quand le ministère vous a appelé, c'est qui? C'est Jack Lang lui-même? Qui vous a appelé? Jack Lang, non, pas Jack Lang lui-même, non, quand même sa pas. Femme. Non, non. Sa femme, ouais. Mais monsieur Mousse, je voulais vous demander, est-ce que c'est pas un peu facile pour vous de faire un spot comme ça? Parce que moi, un type qui peut me casser le bras en me serrant la main, de toute façon, je le respecte. Je suis content de voir qu'il y a un mec intelligent là. Maureen. Mais Mousse, tu crois vraiment que ça va servir à quelque Putain, chose tu tutoies? Mais oui, on se tutoie, nous, tu sais, on a... Ah, d'accord. Ah, si vous faites un petit, vous m'en gardez un. Pourtant, il y en a un qui est passé avant moi. Merde. Maureen. Pourtant, elle m'avait présenté ses parents et tout. Mais c'est bon, vrai c'est pas grave. Vous connaissez Mousse? Bah, je sais pas, je le connais parce qu'il connaît... Ah, vas-y, on a grandi dans la même banlieue, c'est tout, vas-y. Et puis Mousse, faut dire aussi qu'il a un lieu qui s'appelle Le Réservoir où on a commencé Franck et moi-même, d'ailleurs. C'est vrai que vous faites des stand-up dans le restaurant de Mousse Diouf, Le Réservoir, de temps en temps. Il y a toujours des spectacles là-bas? Il y a toujours des spectacles. Vous, vous n'êtes pas du genre à être attaqué, hein, quand même. C'est pas avec vous que je ferai un coup tu pousses, un coup tu mousses. Je crois que j'ai risqué gros. Jean-François Derek. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, ok, t'as risqué gros. Bah,
Attends, ouais. Attends, elle n'avait pas fini de me poser la question. Ah, vas-y, 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 quand tu veux. Ah, j'adore. Écoute, Mousse. Derek. Mousse. Derek, respecte-moi, s'il te plaît. Pas de problème. Dès que tu veux que je parle, merci, tu me dis. Merci, Maureen, tu peux y aller, vas-y. Vas-y, vas-y. Pose ta question, Maureen. Plus personne t'interrompra, vas-y. Tu veux pas revenir souvent dans l'émission? Non, dis, Mousse, tu crois. Mais protégez-vous, finalement, alors. Ouais, non, attends. Mousse, Maureen, c'est. Est-ce que tu crois. Je te raconterai plus tard. Est-ce que tu crois que ça va servir à quelque chose? Oui, ça va. Tu veux que je lui mette deux claques? Ça va aller. Mousse, tu veux une bière? Là, tu vois, je me sens trop respecté. C'est énervant. La question de Maureen est bonne. Est-ce que ça va vraiment servir cette campagne? 15 millions de francs, elle coûte la campagne. Maureen est bonne, c'est vrai. Je dis, mais ça va servir à quelque chose, oui, effectivement. Donc, en accord avec le ministère. J'ai posé la condition de mon application dans cette campagne, à condition qu'on ne fasse pas un jet de pierre dans l'eau, que ça éclabousse et puis la pierre tombe au fond de l'eau et qu'il ne se passe plus rien après. Donc on va essayer de faire ça sur une durée. Et vous l'avez cru? Oui, je l'ai cru. Et tu respectes Mousse, toi. Je pose des questions, ça m'intéresse beaucoup. Ce sont beaucoup. De bonnes questions. Vous n'y croyez pas, Isabelle Allons, dans cette campagne? Ah, mais pas du pourquoi tout. Je trouve que c'est vraiment de l'esbrouf, de la... Je dis pas ça pour vous qui faites... Non. Je vous écoute, regardez. Je dis simplement que pour ne pas traiter une question, il y a deux moyens. Soit on n'en parle pas du tout, soit on en parle d'une manière qui, en fait, occulte les vrais problèmes. Et moi, j'ai bien lu les textes, ce que disent chacune des personnes. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on s'attaque un petit peu aux symptômes et qu'on ne parle pas aux bonnes personnes. Bon. Parce qu'il se trouve que les sauvageons, ce que Chevènement a appelé les sauvageons, et qui sont plutôt des gens qui sont capables de pousser la sauvagerie jusqu'à la barbarie, ne vont mais jamais écouter ces spots-là qui sont faits pour les gentils enfants. Alors je trouve que si on commence par traiter le problème sans le nommer, c'est de la violence masculine des garçons sur les filles, et ben on va avoir beaucoup de mal à résoudre la question. Mais il n'y a pas que cette violence-là à régler. C'est la violence en général. Non, il n'y a pas. Comme dit Laurent, c'est la violence en général. C'est pas la violence sur les garçons et les filles. Il y a des garçons qui sont chahutés comme les filles aussi et qui sont démunis, qui aiment ça. Qui se font racketter et tout. Ça ne concerne pas je que les d'accord. filles. Je n'ai pas dit qu'il y avait que ça. Je dis que c'était quand même l'axe principal et le plus souvent. C'est les non, plus... mais bon, donc avec le ministre, vas-y, monsieur Derek, s'il vous plaît. Je peux y aller, monsieur. Maureen. Non, il a dit moi. Attends, il a dit moi. J'ai trouvé un remplaçant pour le vendredi. Maureen a dit. T'as donné la permission de parler. Tu peux y aller. Dès que tu veux que j'arrête, tu me dis. Non, c'est moi après. Non, c'est après. Deux, c'est monsieur. Évidemment. Il y a un autre spot où, je ne sais plus qui, dit ouais, l'importance. Simplement l'importance de dire bonjour. Ça, c'est Daniel Pénac qui écrit. Voilà. Bonjour, s'il vous plaît. Alors, au lycée, ça va donner bonjour. Tu me files ton blouson, s'il te plaît. Ça va rien, je pense. Il a raison, parce que c'est vrai qu'on parle du respect. Le problème, c'est que le respect, c'est un mot fort. Il ne faut pas le vider de son sens. Parce que souvent, on entend justement. Comment tu me parles? Vas-y, je te respecte. Alors, tu me respectes en que ta mère. Et là, ça perd un peu. Ça donne plus de force, tu vois. Je veux dire, enculé de ta mère, c'est comme je sais pas moi. C'est comme bonjour. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. On est bien accueillis chez toi. Voilà. Alors, c'est vrai ça que faut l'interpréter comme tu. Mais ça veut pas forcément dire. Je veux dire, t'as été bien éduqué, toi. Et surtout ta mère, ils la connaissent pas tous. Voilà. En plus, tu vois, il a raison, Derek. Tu m'as très bien éduqué. Voilà. C'est mon père. Voilà. Pas tout le monde en même temps. Claude. Ah voilà. Alors moi, je voulais dire que pour les vieilles dames comme moi, on s'aperçoit qu'on vieillit quand les flics dans la rue, ou les flics à la télé, paraissent des enfants. Et de plus tu vieillis, plus ils paraissent jeunes. Il n'y en a qu'un qui, moi, m'inspire vraiment, non seulement le respect, mais la confiance, c'est toi dans Julie Lescaut. Et je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas... Je m'excuse de dire ça. Tu aurais peut-être dû mettre dans ton spot quelque chose de plus menaçant. Et de plus énergique, espèce de petit... Tu ne peux pas le mettre comme ça. Mais de dire... Tu vois ce que je veux dire, la tolérance. Je le mets dans mon spectacle, tu le verras. Ça sera dédicacé à Claude Sarrault. Tu verras, c'est bien. Dans le spot, ce que veut dire Claude, c'est que vous auriez peut-être pu dire « Bande de petits cons, si vous continuez à nous emmerder, vous allez en chier. Voilà. » Un truc de ce genre. Ouais, si je t'attrape, je t'en... D'accord, on peut faire aussi, c'est pareil. Je voudrais qu'on regarde quand même le spot préparé par Jean-Luc Lemoine, parce qu'il faut quand même parler de tous les sauvageons. Il n'y en a pas qu'en banlieue des sauvageons, il y en a. Regardez. Pour moi, le respect, c'est essentiel. Merci, Hubert. Non, moi, c'est Gontran. C'est pareil, je te respecte quand même. Et à l'école aussi, le respect, c'est primordial. Tu aimes le golf? Je préfère le polo? Ce n'est pas grave, je te respecte. Et je ne me priverai pas de t'inviter une fabuleuse chasse à cour. Je pense que le respect est un art de vivre. Je respecte mes professeurs, mes amis du racing, mon porte-documents, et même la gomme qui se trouve à l'intérieur de ma trousse. Il ne faut pas badiner avec le respect, pour moi. Mon père, qui est très fortuné, a fait construire une école. Et c'est étrange, mais quand j'y suis, tout le monde me respecte. Bonjour, père. Bonjour, Pierre-Henri. Et pour votre classe, c'est quoi le respect? Le respect, ça change l'école? Ça se passe aussi
pour les plus privilégiés. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais... Mais c'est bien. Faut penser à tout le monde. Et c'est bien de décliner le respect. Faut penser aux enfants de Sarkozy aussi. De décliner le spot comme ça. Moi, je veux dire que vous m'avez convaincu. Et là, la fille avec le t-shirt marqué le respect, ça change l'école. Dès que je la vois, je la dépouille pour pouvoir afficher le t-shirt comme ça. Mais tu me demandes, je sais où elle habite. Donc... Je signale aussi, et vous allez m'aider pour ça, mon cher Mousiouf, qu'il y a des t-shirts qui vont être en vente bientôt, dans 3 semaines, au prix de 100 francs. Stop la violence, c'est l'association qui bénéficiera des fonds. Récolté grâce à la vente de ces t-shirts. Le respect, ça change l'école. Vous pourrez acheter ça dans le commerce. Merci encore. Merci. Allez, un peu de musique, un peu de chanson. 2h30 de fête hier soir à l'Olympia, c'est ce que titrait Le Parisien ce matin à propos de la première de Michel Fugain dans cette salle où il passa pour la première fois en 1969. Hier, il est entré en scène en chantant « Je n'aurai pas le temps », mais a quand même eu le temps d'interpréter ses principaux succès, ainsi que « L'eau qu'on boit », le nouveau single extrait de son dernier album « Encore ». Toute l'équipe a testé pour vous « Encore ». Je vous demande d'accueillir Michel Fugain. Merci d'être là. Alors ça se passe comment? Là en ce moment, Michel Fugain à l'Olympia sur scène, parce qu'on a connu Fugain, on va pas rappeler les vieilles époques, les Big Bazar, la compagnie. Après il y a eu des chorales, il y a eu... Parfois vous avez fait ça avec un orchestre classique aussi, non? Vous avez pas fait ça une fois? Ah oui, avec le concert amoureux. Oui. Voilà, concert amoureux. Alors là c'est comment sur scène Michel Fugain en ce moment? Ah là c'est un homme qui rentre en scène, qui avec... une sorte de prologue sur « Je n'aurai pas le temps », et puis pendant 2h15, 2h30, selon que ça va plus ou moins vite, on raconte, il y a une petite raconte, une petite histoire qui nous concerne tous, parce qu'on a à peu près, on vit la même chose, les mêmes choses. Et la différence, c'est que les chansons sont toujours en situation, ce qui fait que les gens les écoutent différemment. Et pourquoi avoir ouvert avec cette chanson que vous chantiez donc déjà, si je ne me trompe pas, en 69, lors de votre premier Olympia, non ? 67. 67 même, alors voyez. Pourquoi cette chanson? Parce qu'elle dit exactement ça, le spectacle, il dit ça, il dit « je n'aurai pas le temps ». Il dit « je n'aurai pas le temps ». Vous connaissez « je n'aurai pas le temps » là tous? Ouais. On n'a pas le temps, Laurent. Allez, 1, 2, 3. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en chantant, je n'aurai pas le temps. Et bien voilà comment ça a démarré hier soir. Avant de parler de l'album encore que toute l'équipe a testé, on va regarder le clip. Alors c'est pas le clip de la chanson L'eau qu'on boit qui est le dernier extrait de l'album, parce qu'il n'existe pas encore, mais il va peut-être exister. Alors un extrait d'Encore, le titre de l'album. Ton regard qui se dévore, ton parfum qui m'enflamme, et ma peau qui te réclame. Pour que l'on puisse encore s'envoyer dans les étoiles, s'envoler jusqu'au final, dans un ultime corps à corps. D'amour comme ça, j'en veux encore. Faire d'un lit un chant d'honneur, à nous exploser le cœur. Comme ça, j'en veux encore. Encore, le dernier album de Michel Fugain. C'est un de vos enfants, Alexis, qu'on voit dans le clip, qui a tourné avec vous. Absolument. Oui, ça vous dérange pas de chanter des chansons d'amour alors que vos enfants, ils sont là au bord de la plage sans surveillance? C'est très sexuel comme texte, hein. De l'amour comme ça, j'en veux encore. Moi, quand je dis ça, j'essaie qu'il n'y ait pas des enfants autour. Ou enfin, vous ne le dites pas comme ça, vous le criez. Vous, encore, 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 encore. Ça n'est pas faux. Est-ce que, quand comme vous, on a des méga succès qui sont en plus, qui ont 30 ans,
ils vous sortent pas par tous les trous vos succès quand vous dites, quand ça fait 30 ans qu'on vous redemande, c'est un beau chanson, c'est une. C'est un beau chanson. Je viens de Belgique. C'est la version belge, n'est-ce pas, ça une fois. C'est un beau roman. Il allait vers Bruxelles, il allait vers Anvers. Ils se sont trouvés sur l'autoroute parce qu'ils roulaient tous les deux à contre-sens, n'est-ce pas. C'est la version belge. C'est un beau roman une fois, ça s'appelle. Non, mais elle est magnifique cette chanson, mais je sais pas si on la chante 100 fois par an, au bout d'un moment peut-être que... Non. 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 Non, il n'y a pas de raison. Les chansons, c'est un capital. Mon métier à moi, c'est de faire des chansons. Allez, on fait un petit tour de table avec l'album encore. Rançon. Non, et moi j'ai vu, il y en a une ici, là. C'est Va vers le soleil. C'est la même documentation que C'est un beau roman, là, que vous avez repris. Ça dit pas tout à fait la même chose. Ah. Je suis désolé. Ça dit quoi, ça. Ou alors vous savez pas lire ensemble. Il dessine. Il cherche la merde, hein. Vous l'avez repéré, hein. C'est un foutage de merde. Il est payé pour foutre la merde, Rançon. Maureen Dor. Ça est une belle histoire, est-ce que vous avez vu une autre chanson? Alors, il y a une chanson qui m'a vraiment frappée, c'est Les Pages People. Parce qu'au début, je l'ai lu, j'avais lu, juste lu les paroles. Et puis, alors, paroles et musique, c'est vachement. C'est près de Brel. Oh. On peut pas dire ça? Si, mais j'ai pas. Si, ça lui fait vachement plaisir, non. Tu vois. Je suis désolée, moi je voulais pas être méchante ou quoi que ce soit. Une sorte de pavane avec une habanera, et puis une habanera qui correspondait exactement à l'image que j'ai de ces gens qui squattent les pages People, c'est-à-dire cette espèce de machin qui anime les soirées parisiennes, les folles soirées parisiennes, avec une petite moustache qui a servi de modèle. Emmanuel de Brandt. Ouais, je les vois bien sur une habanera, comme ça, marchant, comme ça, comme des ibis. Ah, c'est vrai qu'ils nous énervent. Je suis assez d'accord. Tu peux... très bon. Tu peux juste nous rappeler vite fait ce que c'est qu'une habanera, s'il te plaît. C'est un rythme musical. Voilà, c'est ça, merci. Ouais. Jean-Luc. Oui, non, moi j'ai écouté l'album aussi. J'aime beaucoup les Pages People et aussi L'eau qu'on boit. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit dans un journal il y a quelques mois. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que vous aviez dit avoir lu qu'un enfant ou qu'un adulte qui réagissait trop à la musique deviendrait un peu débile. Non. Non, 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 c'est pas ça. Ça peut être un signe de débilité. Justement, comment vous voyez tous ces gens qui aiment vos chansons Vous avez vraiment mauvaise conscience ou pas? Il va expliquer la phrase. Je pense pas que la musique soit débilitante. C'est quand on est un peu débile, on écoute beaucoup de musique. Il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est que vous, dans la même interview, vous déclariez il y a quelques mois que vous preniez des cours de chant. Vous voulez faire boys band ou quoi? C'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant. J'ai des cours de chant. Plus que des cours de chant, ce sont des cours d'émission, quoi. C'est-à-dire comment on arrive à faire passer, traverser, porter, plutôt que d'avoir une voix qui camoufle sa personnalité. C'est-à-dire, il faut y aller. Que ce soit sur une scène, que ce soit dans un studio, il est question de générosité et on n'est pas généreux comme ça simplement parce qu'on le veut. Il y a un moment, il faut avoir l'outil. Vous ne pouvez pas nous donner un cours, là, qu'on chante avec vous? Non. Vous aussi, vous pourriez en prendre des cours pour faire des émissions, des cours d'émissions. Et vous, pour vos émissions à vous, et je ne vous parle pas desquelles. Bon, moi je suis désolé, votre disque, il y a des trucs pas mal, mais des trucs qui vont pas du tout. Hein. Par exemple, L'eau qu'on boit. Bon, ça s'appelle l'eau que l'on boit. L'eau que l'on boit, oui, bien sûr. Oui. Bah oui, bah oui, mais... Oh, si vous le prenez comme ça, on va pas être copains, mon petit bonhomme. Hein. Oui, sauf que sur l'album, c'est écrit l'eau qu'on boit. Ah, absolument. Tac. Alors, je ne voudrais pas défendre mon camarade Derek, parce que franchement, ça me fait chier, mais... Et puis, il n'en a pas besoin. Alors que l'on voit, ça tourne plus. Ça, voilà, alors, tu as des trucs comme... Ce qui compte, c'est pas là où tu vas, c'est comment tu vas. Je suis désolé, tu vas aux Acédiques, tu vas en métro ou en bus, tu atterris toujours aux Acédiques. C'est vrai. Bon. Alors après, prends le temps, tout le temps, tu devrais traîner en route, regarder pousser les blés. Rue de Vaugirard, tu regardes pousser les blés, tu peux attendre longtemps. Et total, le temps que tu t'aperçois qu'il n'y a pas de blé, tu arrives au Sassédic, c'est fermé. Il faut retourner le lendemain matin. Alors merci. Hein. Alors je vais vous dire le programme de Michel Fugain pour les jours à venir. C'est l'Olympia jusqu'au 21 octobre. Et puis le Kikadi quoi avec nous dans un instant. Merci Michel.
Quelques déclarations relevées dans la presse ce matin. Vous allez aider mes petits camarades à essayer de retrouver les auteurs de ce qui a dit quoi. Je ne suis plus peut-être qu'un objet décoratif, mais le décor est parfois utile. Alors ça, il y en a un paquet qui peut... Maureen d'Or. C'est pas Maureen d'Or. Il y en a un paquet, vous pensez? Ah, oui, il y en a un paquet. Chirac, Chirac. C'est pas Chirac. C'est une femme. C'est pas une femme. Pierre Tchernia. Qui ça? Pierre Tchernia. Non. C'est vrai que chez Arthur, ça ressemble à un décor. Oh, c'est l'éptique, l'éptique. Alain Lipietz. Lipietz. Vous êtes dans le potage. Alain Lipietz. C'est Yébig que vous vouliez dire. Non, c'est non, un homme politique, en revanche, effectivement. Qui a accordé une longue interview aux Parisiens ce matin. Un homme politique plutôt sympathique, Tibéri. Je dirais. Tout bon. Non, pas tout bon. Non, Tibéri. J'ai dit sympathique. Tibéri. Non, bon, non, pas Tibéri, non, non, non. On a dit ça. Ex-premier ministre. Rocard. Ah. Michel Rocard. Oh, exactement. Non, Michel, ouais, c'est lui qui a dit ça. Ah, non, non. Ah, il dit des choses intéressantes, hein, Rocard. Formidable. Non, mais on comprend rien de ce qu'il dit. Oh, non, parce c'est que vous n'écoutez pas. Ah, ben si. Ah, c'est bon, non. C'est pas une mythologie, ça. C'est pas une mythologie. C'est pas vrai qu'on comprend pas ce qu'il dit. Et on a quand même le sentiment que cet homme-là n'a pas donné toute sa mesure. Et je crois qu'on est très nombreux à le regretter. Est-ce c'est dommage. En tout cas, c'est fou le nombre de gens qui le regrettent. Il faut dire qu'il a été enterré par François Mitterrand. Il faut pas oublier. Ah, oui, ça, il a pas beaucoup aidé. Derek. En tout cas, il parle bien. Parce que l'autre jour, ma femme me dit dis donc, j'ai entendu Rocard. Il a parlé pendant une demi-heure. J'ai dit, ah bon, de quoi? Il me dit, ah ça, il l'a pas dit. Un autre qui a dit quoi? Ce livre relève simplement du droit absolu de chacun en démocratie de penser, d'écrire et de publier. C'est Chirac qui a dit ça en parlant du livre de son chauffeur. C'est Schramek. Schramek, Olivier Schramek. Bravo Michel Fugain. Pardon? Jospin, ah oui, pardon, je suis con. C'est le livre de Schramek dont parle Lionel Jospin. Bravo, c'est nul ce que vous avez dit, Fugain. Mais en tout cas, il était en position de le dire. Exactement. Un dernier qui a dit quoi? Elle et moi, on s'éclate. En plus, elle joue dans Matrix. Je sais qui c'est. Je suis tellement fier d'elle. Vincent Cassel. Non, wow. non, c'est Jacques Chirac à propos de Bernadette. Elle joue pas dans Matrix, Bernadette. Mais si, si, ah, je vous assure. Elle a, je crois, un sac bionique, il est comme ça. Vous adorez Vincent Cassel? Ah ouais. Il est à l'affiche, vous le savez, du film Sur mes lèvres avec Emmanuel Devos. La presse est dithyrambique sur ce film. On l'a vu, nous. Moi aussi, je suis dithyrambique. On en parlera dans l'émission de vendredi de ce film Sur mes lèvres. Et la personne dont il parle, Vincent Cassel, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est... Monica Bellucci. Voilà. Dans une interview accordée ce matin à Pierre Vavasseur dans Le Parisien, il dit qu'il est ravi, évidemment, de vivre avec Monica Bellucci, on le serait à moi. Et qu'en plus, il est fier parce qu'elle tourne dans Matrix, Matrix 2. Derek, vous avez vu Matrix? Je vous en prie. Bon allez, je l'ai un peu fait exprès, hein. Ah, c'est Mario et Pipo, nous deux. Allez, Michel Fugain, ça vous fait rire, ça? Vous n'avez pas honte, Fugain? Pas le moins du monde, alors, je vois pas. On a bien vu votre Big Bazar, nous. Entre votre trick, c'est mon Big Bazar. On peut faire un spectacle. Allez, je vais signaler quand même, parce qu'on n'a pas fait qu'après l'Olympia, Michel Fugain sera en tournée à travers la France. La dernière date, je crois que ce sera Nancy, d'ailleurs. Je pense que c'est Rive de Gier, ça a changé, ça a encore évolué. D'accord, enfin, en tout cas, il y en a plein, je vais pas donner toutes les dates, mais vous êtes en tournée à travers la France avec le même spectacle qu'à l'Olympia. Merci Michel Fugain, merci bonne semaine vous. Dans cette salle mythique. Nous, on se dit au revoir et on se retrouve demain, toujours plus nombreux, j'espère, à 19h. Bye bye, merci, dites-le à vos amis. Merci.